c'était quelque part comme au mois d'avril. Et là, on sentait la montée des violences institutionnelles, policières, politiques. À discuter avec des amis, des collègues, le point qui nous rassemblait, c'était qu'on était des mères en colère, puis des mères inquiètes pour les enfants, puis qui partageaient la lutte aussi, mais qui étaient inquiètes, puis qui voulaient apporter une parole de plus dans l'espace public, donc poser un geste politique. On a mis sur Facebook une invitation pour une dizaine de femmes à se rencontrer pour voir est-ce qu'on fait quelque chose. Et là, l'erreur Facebook, c'est que ça s'est mis. Les filles ont diffusé dans leur réseau d'amis et après quelques heures, on était quelques centaines à vouloir « Oui, on fait quelque chose! » Il y a vraiment eu une conscientisation de « Je ne me laisserai plus jamais faire. Il ne faut plus se laisser faire. » De quoi on était solidaire, mais de la lutte étudiante, et on se sentait responsable de la transmission du bien commun. Donc, on voulait prendre la rue et opposer l'image de la mère à Charest. On disait, tu es une mère, tu peux pas t'opposer à ça. Maman, mais pour une fois qu'on peut utiliser l'image de la mère de façon politique, c'était ce qui nous a aussi charmé. C'est devenu un véhicule. Ça a permis ça. T'sais, des fois, les femmes venaient nous rejoindre en direct pendant les manifs. Ils nous disaient, à RDI, un soir où on ouvrait la manif, le soir, les étudiants nous avaient demandé d'ouvrir. Puis là, ben, c'était une manif très calme. Et là, on a vu la bannière toute la soirée à RDI. Les femmes, ils venaient en direct. Hey, on a vu votre bannière. Ça nous rejoint. Fait qu'ils venaient s'accrocher après la bannière. Donc, c'est devenu un véhicule pour justement des personnes. Individuellement puissent se trouver un véhicule collectif parce qu'on n'a pas le goût de vivre ça seul, ce qu'ils vivent là. Moi, je me disais, il faut refuser d'avoir peur. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on ait peur, qu'on reste enfermé chez soi, dans nos maisons. Non, il n'est pas question.